La fête continue toujours, alors on va passer un petit moment de poésie avec... on est très heureux de les accueillir sur scène aujourd'hui, ce soir, pour cette journée à l'Ouest. Ça nous tenait particulièrement à cœur d'accueillir Abdelhak, artiste poète du quartier, et accompagné par Mathieu. Donc merci de votre présence. On est très honorés de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Cette maison est la vôtre, cette maison elle est à tout le monde, et vous serez toujours les bienvenus chez nous. Voilà, à tout à l'heure, merci Abdelhak et Mathieu. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ce passage va durer à peu près une vingtaine de minutes. Nous allons pouvoir vous lire des textes en arabe classique, deux, puis après on continuera avec des textes en français. نسيت اشتراك الملح فصرت اليوم ترمي بالرمح دوما كنت تسلي تروي لنا وتحكي يا صاحب الدرب ما بال هذا الغضب صفا كنا في الفوج نسمو هدفا للأوج كنت راغبا متمني وبالصدق دوما متحلي تشبعت بالغدر الوبخ طعن الرفيق من الوسخ من أي طعام أنت متغدي ولأي جاه أنت ملبي يا صاحب الدرب ما بال هذا الغضب كنت على رفع الظلم أقوى وبإعلاء الحق أسمى أين الصاحب المتربي رفيقي
ووليد دربي أهملت أصل الصبغ وارتأيت فعلا بالطبغ كبرت عني وعن دربي دعني أقص وأحكي عن عين القلب التي تبكي لعل ذلك يداوي جرحي يا صاحب الدرب ما بال هذا الغضب بمنديل أبيض وخفيف لم أفهم بيت القصيد لعذراء سمراء وظريف لمست قضبان الحديد لأتفكر نسبي الشريف وراء حائط شديد أتحسر حظي الضعيف لا رسول ولا بريد في هذا السجن العنيف ما أرى سوى العقيدة للعقاب ولأتذكر المبيت فكيف أطفئ النار الوقيدة وهي من حولي لفيف لوحت لي من بعيد بمنديل أبيض وخفيف لم أفهم بيت القصيد لعذراء سمراء وضريف يفصلنا نهر عريض عميق وموجه مخيف إنني من همها مريض ووضعي مرتج وسخيف غاصت ولم أعد للمنديل مريد غاصت وسكنتني أراجيف ها أنا ذا للمشعل فقيد وعيناي صارت كفيف لأجلها مسر وعنيد لاسترجاعها ولو بالتعنيف لوحت لي من بعيد بمنديل أبيض وخفيف لم أفهم بيت القصيد لعذراء سمراء وضريف حرية البأس هي أم القصيد آخذها ولو كان الكل منها عفيف أحييها وهي رقيد وأنزع عنها عار التثقيف أعطيها مني وعيد بأن أخرج وإياها من التكنيف مسكنها جنان سعيد وملبسها ثوب رقيق سفيف أقضي الليل عليها شهيد اشتياقا مني لأدلي لها بالتعريف لحريتي أعداء عديد وسط النيران وهدفا للقصيد هي لي ولها مني عمر مديد إذا لم أنحني خنوعا للتصنيف لوحت لي من بعيد بمنديل أبيض وخفيف لم أفهم بيت القصيد لعذراء سمراء وضريف Thank you.
cette lecture en arabe, nous allons vous lire quelques textes en français. Le premier texte que j'ai lu en arabe s'intitulait « Compagnon de route ». Et le deuxième texte en arabe avec le mouchoir, en fait c'est un dialogue que j'ai fait avec ma liberté qui de loin me faisait signe avec un mouchoir. Et donc j'en ai fait le texte. À présent, on va passer à un peu de philosophie et on se demanderait bien sur la raison de notre vie. Le texte qui suit s'intitule « Plaisir de vie ». La vraie raison de notre vie est l'écho de notre premier cri. Couper le cordon, sortir du nid. Couper le cordon, sortir du nid, se préparer dans cette halte au tri à un retour vers l'au-delà avec autrui. Mais seule l'âme profite de ce voyage inouï. Le corps pèse lourd et doit être souvent nourri. Il appartient à la mère terre, il y sera enfoui. L'âme se sert du corps pour ses désirs et se libère de lui. Une fois le désir fini, elle continue son chemin vers l'inconnu. La vraie raison de notre vie est aussi ailleurs, elle tend vers l'infini. Notre passage sur terre serait un court instant sur cette trajectoire de vie. Chaque moment doit être alors chéri pour que parmi nous, le plaisir de vie soit toujours rayonnant et de toutes les tristesses guéries. Croyant conquérir la brèche, il se sentit blessé d'un boulet sous les ailes. Courage, mes enfants du courage, courage, mes enfants, enfants, prenez courage. Courage, mes enfants, enfants, prenez courage. La ville des Romains, nous l'aurons par pillage. Quand les Romains entendirent du pillage parler, quand les Romains entendirent du pillage parler, ils jetèrent leurs enfants. Par-dessus les murailles, on marchait dans le sang, des pieds jusqu'à la taille. Jamais l'on n'avait vu chose aussi effroyable.
le sang. Le sang appelle le sang. Des combattants et des soldats en rang. Selon les livres sacrés, sur terre ou là celui des frères, et ainsi depuis jusqu'à notre ère. Le sang appelle le sang. Des combattants et des soldats en rang. Les pieds des soldats du roi Salomon dérivèrent et n'écrasèrent guère les fourmis traversant le mont. Sagesse d'un homme prophète de renom. Le sang appelle le sang des combattants et des soldats en rang. Il est temps d'arrêter l'hémorragie, enlever les pansements, soigner les plaies. Les êtres parmi nous sombrent dans l'abîme et l'oubli. Quelle que soit la mission qui nous incombe sur terre, à notre ère, nous voulons juste vivre en paix. Le sang appelle le sang des combattants et des soldats en rang. Cain et Abel sont deux en un. Il est le mal et il est le bien. Si l'un l'emporte, l'autre est vain. Et ainsi jusqu'à l'enclin. Le sang appelle le sang des combattants et des soldats en rang. C'est son choix, sûr d'elle, à la fois. Le cœur constate et voit que nul ne peut lever le doigt pour contester son choix. Elle est soudaine, surprenante et maligne, proche et riveraine, mélancolique et câline. Adamo craint, elle donne. Adamo met les freins, elle prône le bien. Adamo est vain, sans elle, il est rien. Dans l'avenir, elle a foi, vivre dans la joie et rêver comme un roi. Tel est son choix. Elle est soudaine, surprenante et maligne, proche et riveraine, mélancolique. Et Kaline, c'est son choix.
présent, je vais vous lire un texte qui s'intitule « La vérité » et je vais vous le lire en deux fois. La première sans explication. La vérité. La vérité est ailleurs. Faute à l'écoute. Le faux en place. Perte de chaleur. Faute au soleil. Traître. Il perd sa face. Le fermier avec ses mules au labeur. Les forces ont des limites. Le système se casse. L'ouvrier assigné dans sa demeure. L'usine qu'il habite pour qu'une poignée s'engraisse. L'écolier oublié dans son malheur. Place aux élites choisies pour prendre place. Les médias et les téléviseurs nous enchantent des fake news et des paperasses. Sommes induits en erreur, faute à l'écoute. La vérité, la quête de la vérité nous tracasse. La vérité est ailleurs, faute à l'écoute. Le faux prend place. Deuxième lecture. La vérité est ailleurs, faute à l'écoute, le faux prend place. Il y a une logique, s'il y a le faux, le vrai n'est pas là, et ainsi de suite. Mais par contre, l'audimat, c'est la force de l'écoute. Perte de chaleur, faute au soleil, traître, il perd sa face, c'est un bouc émissaire. Le fermier avec ses mules au labeur, les forces ont des limites, le système se casse. L'ouvrier assigné dans sa demeure, l'usine qui l'habite, pour qu'une poignée s'engraisse. Au jour d'aujourd'hui, on passe plus de temps au travail que chez soi. De 8h à 6h, vous êtes au boulot, vous rentrez de 8h, de 18h à 20h avec les enfants et basta. Entre la douche, les devoirs, le dîner, et revolote. Donc vous passez plus de temps avec vos collègues de travail que chez vous. Les médias et les téléviseurs nous enchantent. Des fake news et des paperasses. Wikileaks, Panama Papers, Paradis Papers, j'en passe, et des meilleurs. Sommes-nous induits en erreur, faute à notre écoute, alors que nous sommes dans une quête de vérité? La vérité est ailleurs, faute à l'écoute. Le faux prend place. Merci pour votre écoute et bonne soirée à tous, ça continue.